Bonjour mes étoiles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lisa. Donc je vous laisse prendre une petite tasse de thé, un petit café, un petit jus de fruits, quelque chose pour vous détendre pendant que vous allez regarder cette petite vidéo. Et merci à tous d'être présents. Et surtout, 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 un grand merci aussi à Céline pour sa magnifique enveloppe qu'elle m'a envoyée pour mon anniversaire. Donc merci, merci du fond du cœur. Donc voilà, hein, je le redis, on a juste changé de maison parce qu'on a obtenu une maison plus grande qui est juste à côté de l'ancienne en fait. Hein. Donc on n'est plus au numéro 22, mais on est au numéro 26. Et du coup, en fait, le courrier était resté bloqué dans l'ancienne boîte aux lettres. C'est pour ça que je ne pouvais pas avoir accès au courrier parce que je pensais que c'était un souci de poste, mais non, en fait, c'était juste un problème que c'était dans l'ancienne boîte aux lettres et il fallait que j'arrive à voir les nouveaux locataires pour pouvoir récupérer mon courrier. Donc voilà, tout c'est clair, Céline et Lily, vous inquiétez pas, on a bien reçu l'enveloppe et mille merci pour mon anniversaire. Je suis trop touchée, c'est trop gentil, franchement, les filles. Donc là, on a des magnifiques timbres, ça nous fait voyager la Guadeloupe et dans le Bas-Rhin. C'est magnifique, c'est sublime. Trop, trop bien. Donc on va les garder précieusement et je vais vous faire voir en premier sa magnifique carte. La magnifique création et composition. Du chic, du. Franchement, c'est glamour. Ça me fait penser à la petite robe noire. Voilà, donc on a le magnifique chapeau, le petit cadre, avec la jolie main. Romantique, vous voyez, c'est joli. Alors en fait, ça, voilà. Ce genre de petits mots en anglais, j'adore. C'est joli, c'est simple, il n'y a pas trop. On comprend ce que ça veut dire. L'appareil photo, il est sublime. La tasse comme ça, c'est magnifique. Petit assemblage ici. Les enveloppes, les pochettes et Happy Birthday. Oui, je valide, hein, c'est trop trop beau. Une superbe création, comme toujours, Céline. Et même derrière, en fait, vous voyez, on a toujours ce magnifique papier. Alors. Oui, je peux encore l'ouvrir de ce côté-là pour vous faire voir. Regardez le sublime lapin avec son bouquet de fleurs. Petit lapin m'offre des fleurs. C'est trop joli. Et là, la magnifique fleur. Et le petit chat. Ah, j'adore. Oui, je suis trop fan des chats. J'ai ma chatte Mystique, vous l'avez déjà vue en vidéo. Donc, je suis émerveillée. Ici, Céline, elle a pris le temps de nous faire énormément de fleurs, parce que Céline, elle sait que j'adore toutes ces fleurs qu'elle crée, que je m'en sers énormément. C'est vraiment très gentil de ta part et je sais que ça te demande énormément de temps de faire toutes ces magnifiques fleurs. Franchement, j'ai énormément de chance que tu m'en aies fait pour mon anniversaire encore. Trop de chance. Et regardez, il y a même encore un magnifique lapin ici. Oh, je suis trop contente. Donc, je vais pouvoir mettre toutes mes petites fleurs comme ça dans une magnifique boîte. Je sais pas si vous voyez toutes les couleurs qu'elle a utilisées. Il y a du papier miroir, il y a du papier holographique, il y a toutes les couleurs. On peut vraiment faire des merveilles, du vert. Donc avec toutes ces couleurs-là, grâce à toi Céline, franchement, je vais pouvoir faire plein de déco sur des petites enveloppes, sur des petites tags ou autres. Enfin, c'est tout fait et franchement, c'est que du bonheur. C'est vraiment énorme tout ce que tu as fait. Je pourrais même pas les compter tellement il y en a. Mais franchement, je pense qu'il y en a plus de 100, quoi. Je vais pas exagérer, mais il y en a tellement, tellement, tellement. C'est énorme. C'est magnifique. C'est même si je les retourne, vous n'allez pas forcément retrouver les mêmes couleurs, quoi. C'est un sachet organza qui est plein. Ah, il y en a même aussi ici une autre petite fleur. Vous voyez, il y a même d'autres petites fleurs. Des petits trésors comme ça qui sont cachés. Ah, celle-ci est aussi de fleurs. Elles sont magnifiques, les assemblages comme ça. Il faut que je profite d'avoir Alice à la maison pour qu'elle m'aide à faire pendant les vacances plein de petites fleurs. Franchement, c'est sublime. Et vous n'avez pas tout vu. Elle m'a fait aussi ces magnifiques fleurs. Alors moi, j'avoue, je ne sais pas du tout comment on les fait. Ça, c'est du papier qu'elle a fait elle-même. C'est sublime. Donc, j'en ai quatre comme ça. Avec du doré, c'est froissé. Elles sont sublimes, ces fleurs-là. Sublimes. Moi, j'en ai laissé dans des boîtes Coulommiers que tu m'avais fait déjà. J'en ai mis dans d'autres boîtes parce que je rassemble les fleurs suivant la taille du gabarit. Donc voilà. Hein.
C'est génial, franchement. Et vous n'avez pas tout vu. Non, non, non. C'est pas arrêté là, Céline, encore. Elle a fait ses magnifiques fleurs aussi. Vous voyez, elle part du papier blanc ici et elle fait du rose par-dessus. Et du coup, c'est attaché par des attaches parisiennes. Donc, on ne voit pas les attaches parisiennes au milieu, hein. Franchement, c'est un travail très délicat qu'elle fait, hein. Elle a de la patience pour faire ça. C'est magnifique. Le résultat est sublime, hein. Donc, à mettre sur nos créations, sur nos albums. Voilà quoi, c'est sublime, sublime. Et vous n'avez pas encore tout vu. Non, non. On pense que c'est fini, mais il y en a encore. Ah oui, d'ailleurs, je vais mettre ta magnifique carte ici pour qu'on puisse aussi en profiter et la voir, hein. Vous ne loupez rien. Nous avons aussi ces magnifiques fleurs. Oh, elles sont trop jolies. Ray, tu pars d'un papier blanc avec la peinture violette. Donc, je ne sais pas quelle peinture exactement tu utilises ou si c'est la patouille. Si... Tu nous préciseras du coup en commentaire. Oh, c'est sublime. Sublime, franchement. Oh, le rendu. Vous voyez le travail que c'est. C'est magnifique. J'ai vraiment énormément de chance que tu m'as fait toutes ces fleurs. Et pour finir, ces deux magnifiques fleurs, tout en délicatesse, toujours un blanche avec de l'argenté. C'est sublime. Sublime. Mille merci à Céline et Lily. Vous voyez, j'ai plein de trésors. Je vais pouvoir faire plein de magnifiques créations et décorations. J'en reviens pas. Je suis vraiment touchée par votre générosité à toutes mes abonnées. Je vous remercie d'être toujours présente et on se retrouve très vite pour des vidéos, des tutos. En tout cas, vraiment énormément bisous et merci Céline et Lydie. Gros bisous, passez un bon week-end. À très vite mes étoiles.